Bonjour et bienvenue à l'émission Démonstration à découvrir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Najat El-Omari qui nous parlera du microphone MKH60. Bonjour Najat et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, ma première question, pourquoi vous avez choisi cet appareil-là? Alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler du microphone MKH60 parce que vu qu'on est dans la production télévisuelle et donc on aura, les étudiants vont en plus voir ce genre de microphone dans différents types de productions, que ce soit reportage, téléfilm, conférence, studio ou plateau. Donc, j'ai trouvé intéressant de parler de ses caractéristiques et de le faire découvrir aux étudiants. D'accord. Et c'est quoi les caractéristiques techniques de cet appareil? Alors, donc, le microphone MKH, Sennheiser MKH 60, parce qu'il y a plusieurs Sennheiser que vous allez utiliser. Donc, le 60 spécifiquement, c'est un microphone électrostatique. Donc, c'est-à-dire qu'il a toujours besoin d'une alimentation qu'on appelle l'alimentation fantôme, qui est de 48 volts. Donc, c'est un micro à condensateur. La directivité de ce microphone, c'est un micro supercardioïde, c'est-à-dire il capte plus le son de devant du microphone et il diminue tout ce qui est latéral et tout ce qui est derrière le microphone. C'est ce qui le rend plus intéressant, que ce soit dans les reportages ou encore dans des téléfilms, cinéma ou télévisuels. Donc, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un microphone, il est maniable, il est léger, il n'est pas très lourd. Et donc il a beaucoup d'autres caractéristiques qui sont la bande passante ou la réponse en fréquence de ce microphone qui est de 50 à 20 kHz, qui est à peu près la même que notre oreille humaine qui est de 20 à 20 kHz. D'accord, parfait, intéressant. On voit des schémas sur l'appareil du commutateur, ouais. C'est ça? C'est ça, des commutateurs, donc ouais. Des commutateurs ou des switchers. Donc, c'est des switchers, trois switchers actuellement. Donc, il a un coupe 2 pour les filtres, un coupe bas et un passe haut, et un commutateur pour diminuer le son à moins à 10 décibels. Donc ça nous permet, au lieu de faire des réglages au niveau de la mixette, si on est dans un téléfilm ou d'un reportage, ou encore dans le studio pour la console, donc on peut faire ces réglages, mais l'important et le plus intéressant sur ce microphone, c'est qu'on peut faire ces réglages au niveau du microphone avant même d'arriver à la console ou à la mixette. Donc les deux filtres, donc le passe haut ou le coupe bas, donc lorsqu'on fait le signe qui est en haut là, c'est plus un passe haut, il passe les hautes fréquences. Okay, il passe les hautes fréquences à partir de 10 kHz. Pour le filtre, le coupe bas, donc il coupe les basses fréquences, vu que sa réponse en fréquence est entre 50 à 20 000, donc il coupe les basses fréquences à partir de 50 Hz, mais de 18 décibels. Donc, ce qui est quand même très intéressant, donc ce qui nous, tout ce qui est bruitage, tout ce qui est bruit plutôt et noise, donc on peut l'éviter au moment de faire notre tournage. D'accord. Tu as travaillé beaucoup avec ce microphone-là. Ouais, j'aime bien la couleur du son de ce microphone parce que vu qu'il coupe les hautes fréquences qui peuvent saturer le son, donc chaque fois qu'on a... Malheureusement, Najat, je vais vous interrompre, mais c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Merci d'être venu et nous expliquer et nous partager avec nous tout ce que vous avez dit. Alors, la prochaine rencontre sera avec M. Antoine Giasson qui nous parlera aussi d'un autre appareil dans le domaine aussi de la télé qui est le drone. Restez des nôtres. Notre émission va poursuivre après cette petite pause.